7 jours de l'acrobranche. De l'acrobranche. Et oui, ça y est, on va, comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur Insta, on est attendu au parc Le Grand Défi à Saint-Julien-des-Landes. Des Landes ou Les Landes, je ne sais des plus. Landes. On vient d'arriver dans la ville. Et du coup, hier, on a stationné sur un parking par Fortnite où on a rencontré un abonné. Si tu nous regardes, on te fait un grand coucou. Merci pour ton accueil et tout ça. C'était vraiment très sympa. Donc là, voilà, on a de la chance puisqu'il fait du soleil. Vous avez prévu quand même des éclaircies pour aujourd'hui. C'est rare, faut en profiter. Ouais, j'avais peur qu'il pleuve. Et donc, comme vous l'avez su, Luna est parmi nous depuis peu. Et on est hyper heureux puisque ça change complètement une vie. Ça, Jérôme, il le sait, parce qu'il y a eu pas mal de chiens au précédent. Ouais. Moi, j'ai toujours eu des chiens chez mes parents, mais j'ai jamais eu mon propre chien. Donc, en camping-car, c'est tout nouveau. Il y a de l'organisation. Je vous avoue que c'est pas plus mal puisque avant, on squattait un petit peu le lit. Et maintenant, on se réveille. Il est déjà, on se réveille dans la nuit. C'est vrai. Jérôme, il se réveille la nuit pour la propreté. Ouais. Et à 7h30, 8h au grand maximum, tout le monde est levé. Donc franchement au top. Là, elle est juste derrière. Elle est sage. Mais voilà, elle attend un petit peu. Elle n'a pas encore l'habitude. Elle nous a conseillé en fait de l'attacher pour la route parce qu'elle était complètement perturbée. Et avant que je prenne le téléphone pour filmer, j'étais avec elle derrière et je la rassurais justement en lui expliquant qu'il faut patienter là le temps de la route. Sachant qu'on ne fait pas non plus énormément de route, mis à part demain, et on vous expliquera pourquoi dans la prochaine vidéo. Donc là, on va arriver dans une minute, on est à 500 mètres, on va aller rejoindre toute l'équipe. Et on est super contents, ça va nous faire du bien, les enfants ils ont hâte d'y aller. Hier, comme c'était l'anniversaire à l'INSEE, elle va pouvoir s'éclater avec son frère. Et puis du coup, on vous embarque une journée avec nous et bienvenue dans le parc Grand Défi. Bon, ça y est, on vient de descendre. Nous voilà arrivés. Et Sam, il gère Luna, tous ensemble. Et puis Esmeralda va nous expliquer un petit peu tous les parcours qu'on va faire avec elle aujourd'hui. Et puis comme ça, on va pouvoir s'éclater et vous faire découvrir toutes les activités dans ce merveilleux parc. Ouais, parce qu'on compte faire tout le tour du parc. C'est ça. Du coup, nous venons d'arriver à la première activité et du coup, on est en train de comprendre les jeux. Parce que c'est... Tu l'as complètement envoyé sur l'autre côté. À moi. Oh, comment ça pleut, va. Mais c'est pas grave, aujourd'hui il va faire beau. Attention, maman elle tire. Si c'est un nuage qui va passer. Oh non.
C'est bon. On est revenu à la réception et on a de la chance parce qu'il fait vraiment du soleil. Et là, il y en a une qui s'impatiente parce qu'elle veut faire de l'acrobranche. Non, mais c'est ouvert cet après-midi. Il y a plein de petites chèvres. T'as vu les bébés? Petit cochon. Ça va, Lindsay? C'est très sympa ici, il y a un parc d'animaux. Il y a la chef qui vient nous voir. Bonjour madame. Bonjour. Bon, on vient de finir. Ils viennent de finir. On a fait du laser game. J'ai remis un fond dedans. C'était super bien. Luna, elle est excitée parce que pour elle, il n'y a rien de mieux. Le terrain est complètement sensoriel. Donc là, on repart au camping-car. On va recharger un petit peu toutes les batteries. Et puis après, on va aller manger. Les enfants, ils ont adoré. C'est vraiment top. Les premières activités qu'on a fait, c'est vraiment cool. En plus, il fait toujours beau, donc on a vraiment de la chance. Bon, ça y est, on a fini de recharger. Ça y est, on repart. Bon, on est bien sécurisé ici, hein. On va finir de manger, d'ailleurs on a très très bien mangé. Grave, franchement, c'était trop bon, les enfants se sont éclatés et ils ont pris des petites glaces, cookies, ouais. C'était vraiment excellent. Et là en fait on débute l'acrobranche, enfin les enfants débutent, moi je vais digérer en fait. Hein. Ouais. Jérôme va surveiller Luna et puis de temps en temps on verra si c'est nécessaire, mais les enfants veulent faire des grands parcours. Donc là on va tester le parcours d'initiation et là on débute, tout le monde est quasiment en train de faire la queue, de s'accrocher. Donc les enfants le sont déjà et on attend toutes les informations et puis on va pouvoir vous faire découvrir le parcours. Voilà, puisqu'il y a un nouveau parcours là en 2021, il y a un nouveau parcours dans l'acrobranche, donc ça va être super cool de vous faire découvrir et ça. Et c'est très très grand. Ouais, très très grand. Je ne sais même pas si on pourra le finir cet après-midi. Ouais. Oui, c'est parti.
J'étais mort. C'était trop bien ce jeu. Merci. À bientôt. Bon, du coup, les enfants, ils ont vraiment, vraiment, vraiment kiffé le parcours du pinball. Il y a un terrain de malade. Les jeux sont vraiment très, très bien faits. On est dedans. Franchement, c'est le meilleur parc. Parc que j'ai fait. Voilà, c'est validé. Les enfants, ils le disent. Sam, il a chaud. Hein. Une petite douche ce soir et puis voilà. Lindsay, t'es pas dans le bon sens. Lindsay, on est là. Ben alors, tu vas rester ici. Elle est morte. T'es bourrée d'énergie. On s'est vraiment éclaté. Il est 18h. Ouais, c'était vraiment alors, bien. Je suis KO. Je me suis éclaté. Franchement, ça faisait bien longtemps que je ne m'étais pas éclaté comme ça. Regardez notre nouvelle voiture. Elle est belle, hein. Sam, j'ai oublié un truc dans le coffre. Bon, ça y est, on a rejoint le camping-car. On est mort. On est fatigué. Et franchement, on s'est éclaté encore une fois. C'était vraiment très bien. On pas du tout d'être venu. Non. D'ailleurs, je crois qu'on va revenir. Ouais, va franchement, revenir. Le parc, on vous le recommande. On a déjà fait des parcs d'acrobranches. Hein. Certes, c'est pas le premier qu'on fait, mais celui-là, il est vachement bien varié pour les enfants. Aussi bien pour la famille, parce que c'est vraiment agréable. Il y a un plan d'eau, le snack, il est vraiment bien placé. Vous avez une belle vue. Et l'équipe, vraiment au top du top, on vous remercie. Esmeralda, elle était vraiment très à l'écoute, toujours là pour les petits soins, à chaque activité. Et puis, dans tous les cas, ouais, on une équipe d'enfer, franchement. Ouais, franchement, ouais, au top du top. Et puis, du coup, ben, tout sera dans la description. On vous mettra donc leur lien, leur site internet et tout ça. Ils ont aussi un compte Insta. Donc n'hésitez pas à les rejoindre et à découvrir toutes leurs activités avec leurs tarifs et leurs journées pour pouvoir aller découvrir le parc. Parce qu'il est vraiment très très bien. Et franchement, vous pouvez passer des bons moments. Vous ne serez pas déçus. On a vu franchement aussi que vous pouvez faire vos enterrements de vie de célibataire, je crois que c'est ça. Et les anniversaires pour vos enfants. Donc c'est top. Bon, là, je vous reprends parce qu'il y a un gros camion. Donc, comme vous le voyez, on reprend la route. Nous sommes dans le camping-car avec Luna. Les enfants, ils chantent. On reprend la route et vous allez être étonnés parce qu'en fait, on reprend pas la route direction le nord. Non, on a autre chose avant. Ouais. Autre chose de prévu. On doit aller... Bon, ça va la chorale, là? Ça, c'est l'effet du parc, c'est normal. Oh, je te jure, ils sont pas fatigués, c'est pas possible. Zut. Donc, on repart dans le sud, oui. On vous expliquera prochainement dans une prochaine vidéo, on va pas tout vous dire non plus. Mais on a plein de choses à vous raconter. Les vidéos, comme vous le voyez, on vous régale en ce moment, puisqu'on essaie d'être assez régulier. C'est le but, parce qu'on a pas mal de projets qui se mettent en route. Et puis voilà, on veut vraiment partager de belles choses avec vous puisque vous êtes nombreux à nous rejoindre aussi sur Insta. Et franchement, un grand merci. Je vous ai jamais trop remercié à chaque fois, mais franchement, vous êtes vraiment une belle communauté. Et on tenait à vous le préciser aussi, tous les messages. C'est génial. Ouais, je passe du temps. Des fois, on rencontre les gens sur place et tout ça. Et c'est vraiment un pur régal, les rencontres de vive voix. Et puis n'hésitez pas à nous écrire si vous avez la moindre question. Puis on fait plein de gros bisous. Bisous. Miam 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 miam.